tout d'abord, je crois que notre catégorie est déjà une belle promesse puisqu'elle permet à tous les porteurs de projets de contribuer à améliorer le quotidien des enfants et donc à faciliter demain la vie des adultes qu'ils deviendront. Et ce soir, pour moi, cette catégorie est incarnée par Ovasun Explorer qui nous apporte aussi une belle promesse, celle d'améliorer l'apprentissage des enfants grâce à un jeu sensoriel, musical, qui allie, j'allais dire, son et éducation. Et je trouve que c'est une merveilleuse histoire. Alors c'est un projet prometteur parce qu'à la base, plusieurs professionnels ont conçu ce projet. Et je crois que son évolution va faire aussi qu'il va grandir, se développer en fonction de l'appropriation que vont en faire les enfants et créer peut-être de nouveaux usages non imaginés par les professionnels. Et puis je pense qu'il y aura ce retour d'expérience aussi de ces professionnels. En tout cas, voilà, je pense que c'est une innovation très prometteuse et Crédit Agricole et ça suivra avec attention le développement de cet outil créatif. Je suis ravie parce que ça récompense 4 années déjà de développement et le travail de toute une équipe qui est vraiment investie justement et rassemblée par cette idée de pouvoir aider les enfants à développer leurs compétences par l'art et donc avoir des compétences fondamentales comme le langage, la lecture et aussi la sensibilité parce qu'on fait appel à la créativité à la fois des personnes qui accompagnent les enfants et ce qui permet de s'adapter à chaque enfant. Et à la créativité des enfants aussi dans le domaine de l'imaginaire sonore. C'est vrai que dans le handicap, souvent, on voit qu'il y a une personne qui est à l'origine de projets et on est vraiment content de voir que ça génère aussi un réseau, une communauté, des échanges pour faire grandir en fait cette communauté de personnes qui agissent en faveur d'un développement juste plus humain de la société avec la prise en compte des handicaps.